Bon, après les grains qu'on aura essuyés, on va peut-être avoir droit à un beau coucher de soleil. Ouais, je pense que oui. Je pense que ça peut être pas mal. Bon. Pour le moment, c'est pas encore le. Voilà, il est pas encore l'heure du coucher. Et surtout l'heure de bouffer. Et là, vous avez le son et l'image, mais vous n'avez pas l'odeur. Des petites saucisses au poivron et merguez. Saucisses de poulet. Saucisses de poulet. Et agrémentées avec une petite semoule méditerranéenne, épices et tout. Épices et tout. En tout cas, j'ai eu du mal à la faire, la semoule. Bien, je les ai. Bon, en attendant que tout ça cuise, bah comme d'hab, hein, c'est l'apéro. Bon, on a déjà mangé le saucisson. Ouais, mais ça, fallait pas le dire. On a déjà mangé le saucisson. Un petit saucisson au fenouil qu'on prend sur le marché chez nos petits Italiens. Là. Une tuerie. Et à la preuve, il y en a plus. Mais il ne reste plus que les verres. Ah, ciseaux. Bombe. Lune. Oh. Ah, oh. Pire comme endroit pour prendre le petit déj. C'est la dernière? Bah non, mais je vais vous l'apprendre. Ce matin, un coup de téléphone, un numéro que je ne connais pas. Donc on est en train de lever l'ancre, donc j'ai pas répondu. Je viens de prendre le téléphone, je regarde. Message mobile, enfin messagerie. J'écoute. Et là, c'est la police municipale de Sifour qui m'appelle. Alors, ils ont bien fait leur boulot, leur job. Pour me dire que le véhicule, il n'était pas sur un emplacement autorisé, contrairement à l'abonnement que j'ai souscrit.
et que si le véhicule n'était pas déplacé, eh ben, il partirait à la fourrière. Donc je rappelle, et là ils me disent oui, on a la photo de votre véhicule qui n'est pas là où vous nous aviez dit que vous poseriez la voiture. Donc je lui dis, écoutez, le véhicule a été déposé par moi-même à tel emplacement, etc. Il me dit, ah, d'accord. Il dit, effectivement, le véhicule a été vu et la photo a été prise samedi matin. Ah, je lui dis, oui, mais entre-temps, on a fait de l'avitaillement et le véhicule a été déplacé comme je m'y étais engagé. Ah, donc alors, ok, donc tout va bien. Je vous raconte pas comment je suis soulagé. Parce que là, enfin, comment on est soulagé. Parce que là, on est en train de passer le cap des Mèdes. Et je me voyais mal faire demi-tour pour aller redéplacer la voiture. On est rassuré, chouchou? Oui, pour ça, oui. Il est à peu près midi 20. On est en train de passer au sud du Levant, enfin Porquerolles Levant. Toujours au moteur. On a mis à jour Starlink et du coup bah, l'antenne s'est réorientée toute seule pour une meilleure bande passante. La ligne, bah elle est à l'eau, mais peut-être dans la traversée. Peut-être qu'il y a un poisson qui voudra se suicider, mon chéri. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je sais pas pourquoi ce heure-là. Je le sens pas. À 11h, on a prévenu le sémaphore de Porquerolles de notre traversée. Ils nous ont demandé notre temps de parcours estimé par rapport à la destination. Et puis le numéro MMSI. Donc on a communiqué tout ça sur le canal 11. Et puis on est repassé 16 avec une veille sur le 8. Puisque comme on l'a vu tout à l'heure, là, on traverse avec le voilier Parvis. Et comme ça permet la double veille et de pouvoir communiquer de bateau à bateau. J'ai remis la canne à l'eau, mais j'ai changé de leurre. Parce que celui que j'avais mis, il me plaisait pas. Je sais pas pourquoi, pour moi, celui qui marche bien, c'est le petit rouge. L'année dernière, j'avais fait deux bonites avec. Alors je l'ai remis. Là, on est toujours avec le moteur. J'ai sorti la GV, puisque on a changé le vent a changé légèrement. J'ai mis le génois, j'ai sorti le génois, ouais. Tiens, bah d'ailleurs voilà. Et ça nous a permis de gagner un petit peu moins d'un nœud, mais sans toucher au nombre de tours au niveau du moteur. On a 5-4. Non, c'est un poisson lune. Ah, il a plongé. Ah, il est là, à la surface. Il y en avait deux.
pas de dauphin, mais deux poissons lune. Caméra, mais ma chouchou vient de voir, il y a une baleine qui est à peu près à 800 mètres de là, juste dans l'axe de mon doigt. On vient de voir deux geysers verticaux. Voilà, encore un. Elle n'a pas mangé. Pas très. Bon,
à de vrai. Mais ça, ça a du mal à passer. On a de la houle et des vagues de quasiment de travers. Donc le vent est pas terrible. On doit avoir à peine 7-8 nœuds. Donc pour mieux les passer, bah, c'est appui moteur. Au moment, on a toujours la GV haute avec le génois. Et puis, bah, dès que le soleil sera couchant, bah, je prendrai un riz pour la nuit. Et puis, bah, demain matin, une fois que le soleil sera levé, en principe, les côtes, enfin, la côte corse sera en vue. Et puis, on va tirer eh bien, un peu plus à l'est que Calvi. On ne vous en dit pas plus pour le moment. Et on se dit bah, à tout à l'heure, en quart de nuit, pour un point de situation. Pour la nuit, sous couche, et puis bah, veste et pantalon de quart. Je viens de prendre un riz, donc le riz 1. Le vent a forcé un petit peu, donc on a pris le riz 1 par sécurité pour la nuit. Là, on est en appui moteur également pour pouvoir ne pas perdre de temps, mais surtout bien passer dans la vague. Le petit point de situation, eh bien voilà où on est, c'est à dire bientôt à la moitié, donc avec une arrivée prévue demain plage du Loto, juste à l'ouest de Saint-Florent, un petit peu avant Saint-Florent, 6h30, 7h30. Donc le soleil se levant aux alentours de 5h, ça sera tip top. Ça permettra de se reposer à l'arrivée et pouvoir profiter ensuite de la journée. Chaussettes et tout. Ouais, mais moi c'est pareil. Des chaussettes,
le pantalon, la sous-couche. Les petits points de situation sur la navigation. Et bah écoutez, il est 22h50. Fabienne a pris son premier quart tout à l'heure, pendant une heure. Et maintenant, bah, c'est mon tour. Donc pendant ce temps, bah, comme elle n'arrive pas à dormir, elle est en train de se regarder une petite série Netflix. Ça va l'occuper. Et puis bah, là, la mer est... elle est plutôt calme. Le vent n'est pas folichon. Donc toujours en appui moteur. On est à 6-8 avec une arrivée prévue 8h demain matin. Donc voilà où nous en sommes. L'équivalent de la moitié, voire peut-être un poil plus. Il est 5h08. Il nous reste 3 heures avant d'arriver On a une belle houle de travers qui est plutôt désagréable. On est monté à 20 nœuds, 18-20 nœuds pendant la nuit. Donc heureusement qu'il y avait eu un ride pris. Et puis bah, ma louloute n'a pas été bien du tout. À partir d'une heure et demie, grosse crise d'angoisse, de panique avec le vent qui est monté, qui était de travers. Donc j'ai enroulé le génois. D'ici, et on a un feu, le feu de la Revelata qui clignote au fond. La canne qui est restée désespérément muette. De Saint-Florent au fond là-bas, et là sur notre tribord la SNSM avec un pêcheur, et depuis à peu près une heure il y a une AIS mob qui avait été déclenchée concernant ce pêcheur apparemment, et l'alerte vient d'être levée par la SNSM et par le crossmate surtout.
Et on voit que la vedette SNSM repart. Bon. Donc tout finit bien pour ces pêcheurs. Justement, j'ai juste avec le vent.